Ouais, il neige et on va à la farfouille. Allez, on va y faire un tour, on verra ce qu'il y a. Coucou, je ne sais pas si je vous ai dit bonjour, je vais vous redire sûrement bonjour quand je serai à la maison. On vient de sortir de Farfouille, merci à je ne sais plus ton nom, mais merci à toi de m'avoir conseillé. Et d'ailleurs, je vais peut-être pas dire les noms parce que les gens, ils n'ont pas forcément envie qu'on dise, qu'on parle d'eux, donc voilà. Mais je te remercie beaucoup de m'avoir conseillé d'aller chercher la laine à la Farfouille. Je ne connaissais pas du tout ce magasin. Enfin, je le connaissais de nom, mais je ne le connaissais pas comment il était à l'intérieur. On a regardé un petit peu, mais je vous avoue que je me suis arrêtée très très vite au niveau de rayon de laine. J'ai pas pu m'abstenir d'aller voir, enfin, j'ai pas pu m'abstenir hein, tout simplement de ne pas m'arrêter. Et j'ai pas pu aller voir autre chose, sachant que j'avais la laine juste devant. Donc, du coup, je me suis affolée encore une nouvelle fois. La dernière, vous voyez des petites choses que je vais vous présenter quand on sera à la maison. Et il y a de la laine que j'ai jamais achetée. Et là, je me suis fait plaisir pour une fois, plus plaisir que d'habitude, j'ai envie de vous dire, dans le sens de choix de couleur, j'en ai jamais fait. Et ça aussi, c'est moi qui l'ai fait. Et je sais plus si j'ai d'ailleurs le tuto sur YouTube ou juste la présentation de ce smooth. Il est tout doux, j'adore. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour vous présenter la suite, pour vous présenter tout simplement mes achats. Et j'espère que ça va vous plaire tout autant qu'à moi-même. Et j'ai trouvé quelques petites découvertes aussi que je vous présenterai, que je ne connaissais pas du tout l'existence de ces choses-là. À tout à l'heure. Salut tout le monde, aujourd'hui ça va être une vidéo haul. Knit haul. J'ai encore craqué. J'ai craqué pour 72,99€ en tout, enfin 73€ quoi. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. L'une des premières choses, bah, je vais vous présenter déjà ça parce que c'est assez grand, donc en petit on ne va pas pouvoir voir. Donc c'est deux paquets de 10 pelotes, oui. 10 pelotes dans chacune, je vais vous présenter un peu plus près. Elles coûtaient 6,99€, c'est encore moins cher que ça a été affiché, je crois que ça a été affiché 7 et quelques, donc 6,99€ pour ça. Et puis cette grosse pelote, elle a coûté 6,49€ au lieu de 12,99€. Génial. J'ai jamais acheté du rose pour moi.
Mais bon, je n'aime pas trop cette couleur, mais je pense qu'elle me va plutôt pas mal. Donc pourquoi pas tester un petit pull avec. Donc on va voir tout ça de plus près. Bon, j'espère que vous avez assez de lumière. Désolée tout de suite pour mes ongles parce qu'ils sont très très fatigués. Et du coup, bah, je les vernis pas pour le moment, je les laisse au repos. Donc, vous m'avez posé des questions, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que j'ai acheté? Et bah voilà, j'ai déjà commencé deux projets en cours. Je vais vous les présenter une fois terminés ou bien ce sera en vidéo. Tout dépend de la réalisation. Ça sera plus tard. Ça, c'est le fil que j'ai acheté chez Jiffy. Donc je tricote un petit pull, j'espère qu'il va être sympa, avec une torsade au milieu, avec le point de riz et aussi ou point de blé, je sais plus, et aussi point de jersey. Voilà, donc pour celui-ci, un petit récapitulatif. Et puis un autre, je tricote donc le snood comme j'avais déjà fait avec l'acrylique, mais cette fois-ci j'ai décidé de le tester avec la laine que j'ai acheté également chez Jiffy. Non, je l'ai acheté chez Action, il me semble. Donc voilà, cette laine-là. Mais bon, je vous en dirai plus une fois que ça sera terminé. Maintenant, une petite pub et puis on passe à la suite. Donc, comme je vous ai montré, ce fil-là, c'est un fil rubis, 100% acrylique, 140 mètres dans les 50 grammes. Voici comment il se présente. Il est plutôt pas mal, il est assez agréable au toucher, assez doux et pas du tout. Vous savez, il y a des fois comme du verre quand vous touchez, c'est un peu rêche. Mais là, cette fois-ci, non, je trouve que c'est plutôt de la bonne qualité d'acrylique. C'est la couleur partie. Moi, j'en ai pris deux sacs parce que je pense que cette couleur, elle est un petit peu difficile à trouver. Donc, il y en avait que deux. Et j'ai pris les deux pour justement faire un petit pull. Il est fabriqué, je ne sais pas où est-ce qu'il est fabriqué, c'est pas affiché. Bah, tant pis. Voilà, donc celui-ci. Je pense que je vous ai déjà dit le prix, c'était 6,99 pour ce grand sac. Ensuite, je vous ai parlé de cette grosse pelote rose, elle est toute fine. Elle fait, donc je l'ai payée 6,49 au lieu de 12,99. Bon, c'est une couleur marquée écrue, donc je me suis trompée de la couleur parce qu'en fait tout a été déballé, c'était un peu n'importe comment. Mais j'ai bien aimé ce magasin Farfouille, pour la laine en tout cas, il y en avait du choix. Et apparemment, il y a des choses qui sont suivies, comme la laine rubis par exemple, je crois qu'elle est en suivi. Ça, c'est 100% acrylique, 400 grammes dedans, et vous avez 1200 mètres, donc je pense que ça me suffirait pour un pull. Là, c'est marqué une seule pelote suffit pour la taille 42, moi, sachant que je porte 38-40, voire des fois 36-38, ça dépend. Donc je pense que ça ira très très bien. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que derrière, vous avez des explications pour des pulls archi simples. Donc que je pourrais peut-être faire qui ressemble un peu à ça. Soit je ferai un truc qui ressemble à ça, soit je ferai quelque chose d'ajouré, parce que c'est un fil assez fin et ça peut être assez sympa de faire un petit truc joli. Ensuite, j'ai pris beaucoup de pelotes comme ceci. J'en ai pris 7. Il y en a 100 grammes et 75 mètres. Je vais en laisser une pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Je la trouve très très belle. C'est aussi de l'acrylique Alaska Print de la marque Grundl. Il me semble que j'avais acheté cette marque-là, mais sur site Sperenza. Enfin, en tout cas, je l'avais acheté en ligne. Et là, je l'ai acheté à Farfouille. J'aime beaucoup, c'est assez épais, c'est assez doux. Ça ressemble un petit peu à de la laine, même si ce n'est pas de la laine. C'est très agréable, mais je crois que c'est un mélange de laine d'ailleurs. Non, aussi, il y a 20% de laine et 80% de acrylique, justement.
Couleur, je sais pas s'il y a une référence à vous donner. Bah, c'est peut-être ça, couleur numéro 6. Ça doit être l'eau 4635. Fait en Allemagne. J'adore cette pelote. Il y en avait d'autres couleurs. Je crois que c'était un peu mélangé. Vous allez peut-être voir une image si je l'ai filmée. C'est mélangé entre rose, bleu, noir et je ne sais plus quelle couleur. Vert peut-être. Après, j'ai vu celui-ci. Après, j'ai vu celle-ci et j'ai trouvé que cette couleur, elle était plus jolie que l'autre. Enfin, en tout cas, elle est plus sombre. Je sais pas, j'adore. Elle est plus, ça peut donner un pull un peu plus sobre et à la fois un peu festif. J'adore parce que la couleur du doré et un peu bronze, on dirait, et du noir, c'est assez classe et luxe. Moi, j'aime beaucoup. Donc, il y aura un pull avec. Et puis, oui, et donc pour celui-ci, j'ai payé, j'en ai pris 7 et il y en a une qui coûtait. Donc, à l'unité, c'est 3,99. Donc, en gros, le pull, je pourrais l'avoir pour 27,93 €. Je trouve que c'est un bon prix. Et après cette pelote-là, donc j'en ai pris 5 comme ça, 3,99 € une pelote. Ah oui, j'ai cherché la couleur, celle-ci c'est Alaska Print, voilà. Et celui-ci c'est Pépite Prune. J'aime beaucoup en fait, je suis pas trop fil métallique, mais cette fois j'ai adoré parce que je trouve que le mélange est assez sympathique entre un peu bordeaux violet, bordeaux prune, je dirais même, voilà, et un peu de rose. Rose métallique, hein. C'est très très joli, j'adore, c'est assez fin et puis ça fait donc 100 grammes, 268 mètres, c'est assez fin. Il y a 98% d'acrylique et 2% de polyester. 5 pelotes pour un pull, bah, j'espère que ça va aller. Fait en Turquie celui-ci, j'aime beaucoup. C'est la marque Penguin, bon, je suis pas très fan de marque Penguin, mais j'aime beaucoup cette qualité. Elle est pas mal, elle est assez douce et agréable. Et puis j'aime beaucoup cette couleur, hein. J'adore. Voilà, donc c'en est tout pour les fils. Donc du coup, en tout, ça faisait 19,95 € pour 5 pelotes, aussi pas mal pour un pull, je pense. Fait main et sur mesure d'ailleurs. Et puis après, j'ai pris, il y a des petites brochures comme ceci qui vous présentent ce que vous pouvez faire. C'est plutôt pas mal. Je pense aussi peut-être faire une petite. Un petit plaid pour les bébés, mais bon, à voir. Je doute encore sur ce fil. À voir, parce que en achetant 300 grammes de fil, ça fera à peu près 15 €. Donc, je ne sais pas à quel prix je pourrais vendre ce petit plaid pour bébé. À voir. Ça, c'est à réfléchir encore. Et puis après, j'ai pris. Bon, bah, j'ai pu m'abstenir. J'ai pas pu m'abstenir. J'ai pris ce petit carnet à 1,14 € au lieu de 2,29 €. On va voir ensemble. C'est un liège. Et oui, si vous êtes intéressé par mes achats en papeterie et en librairie, papeterie, ça sera sur Vita Beauté et librairie, ça sera sur Parla Now. Parce que oui, j'en ai encore deux autres chaînes. Je vais peut-être essayer de vous intégrer quelque part une petite publicité pour chacune de ces chaînes ou une de ces chaînes dans d'autres de mes vidéos ou celle-ci aussi. Voilà, c'est un petit bloc-notes qui est assez pratique à porter avec soi dans le sac et noter des petites choses très pratiques. Et ensuite, j'ai pris cette petite boîte de rangement. Ce sera évidemment pour tout ce qui est couture, tout ce qui est tricot. J'aime bien que ça s'enlève. Bon, après, en dessous, vous pouvez rien mettre, je suppose. Il y a très très peu de place, à moins que vous mettiez des choses un peu plates. Bref, j'aime beaucoup cette petite boîte. Ça peut me servir de petit rangement pour la couture. Je l'ai payé. 1,49 €. Et puis la dernière chose que j'ai pris, c'est celle-ci pour laquelle on a dû attendre longtemps. C'est une boîte canette plastique, rangement de canette. Boîte en plastique, 12 compartiments. Normalement, j'espère qu'elle n'est pas très fragile parce que ça, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais j'ai adoré. 1,99 €. Elle l'a pas trouvé dans le magasin. Du coup, j'ai trouvé la référence dans leur boutique en ligne et on a pu l'acheter. Tout simplement parce que. Hier, j'ai fait un peu de couture et c'était assez chiant, j'ai envie de vous dire, parce que moi, mes canettes, elles sont rangées comme ça et chaque fois, les fils, elles partent, c'est pas du tout pratique. Donc, du coup, j'avais envie de tester cette petite boîte. Est-ce que ça va être pratique? Ah bah, ça se ferme, c'est nickel. Ah bah, ça peut être sympa, franchement, j'adore. C'est vraiment quelque chose de agréable quand vous avez des choses qui sont bien rangées dans votre couture ou tricot, enfin, voilà, n'importe. Dans vos loisirs créatifs.
Parce que si c'est pas rangé et c'est tout est en vrac, c'est vraiment n'importe quoi. Après, c'est sûr qu'il faut que je cale bien le fil qui sort. Je sais pas s'il y a un endroit ici. Non, il y en a pas. Bon, bah tant pis, ça va être comme ça. Hein. Mais déjà, au moins, ça va moins se balader partout dans ma boîte. Ça va être plus pratique et plus agréable ensuite à sortir quand vous avez envie de faire quelque chose de vos propres mains. Vous voyez, déjà, c'est beaucoup plus classe que là-dedans. Je vais vous montrer comment ça se fait. Voilà, la boîte, je peux la garder pour autre chose. Non, mais franchement, regardez-moi ça, c'est pas mignon, ça. Bien, mais par contre, là, j'aime moins bien quand ça sort. J'espère que c'est pas cassé. Après, c'est pas sûr que ça se balade pas. Non, ça va pas se balader. C'est génial, j'adore. Même après, si ça casse, écoutez, je vais mettre, je sais pas quoi, du scotch. Ou bien, ça va tenir tout simplement comme ça. On peut mettre un bout de ficelle et puis ça tiendra bien. Voilà, en tout cas, c'est déjà mieux rangé que tout à l'heure. Donc, je suis contente de mon achat. Voilà, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il neige chez nous. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février. La vidéo sortira plus tard, tout simplement, parce que je fais des vidéos en avance pour pouvoir vous sortir des choses déjà tricotées ou bien tricotées avec vous par la suite. Mais voilà, je prépare, en fait, je prépare un petit peu en avance. Mais bon, ça n'a aucune importance en tant que tel, puisque vous avez quand même les vidéos qui sont, j'espère, intéressantes pour vous. Sur ce, plein de bisous à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao.